là, ben, on va là. Puis, ben, sur les deux fois, j'avais fait un petit spectacle, et puis beau aussi. Puis, on était dans la même chambre d'hôtel, tous les trois. Puis, là, je prends ma douche. Ouais. Puis là, finalement, j'entends la porte s'ouvrir. Puis, c'est les Picbois qui arrivent tout nus, puis sont venus me rejoindre dans la douche. Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhaha! À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Alors salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Mouhaha! Et cette semaine, il y avait du « il y avait du « chat dans la gorge » là-dedans, cette semaine, mon invité est l'excellent Julien Bernatchez, mesdames et messieurs. Salut Jérémy, ça va? Salut Julien, allô. Enchanté, salut. Ben oui, je suis venu, ben, je veux savoir comment on prononçait le nom de ton podcast. Ah pourquoi? C'était quoi ton interrogation? Ben, je ne sais pas si on disait comme « mouahaha » ou on dit « mouahaha », je ne sais pas, je ne savais pas comment le... Bon, je vais y aller. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Ben, quand tu le dis. OK. C'est ça que j'aime le plus. D'entendre ta voix. T'aimes pas le dire ou t'aimes... J'aime pas le dire. T'aimes pas le dire? Je suis timide. OK. J'aime jamais t'entendre. Ah ouais? Tu voudrais pas me faire un... Bonjour, ici Julien Bernatchez et vous écoutez le podcast Mouhaha! Je pourrais utiliser ça... Ouais, okay. Juste pour t'écœurer, là, vu que t'aimes pas le dire, je peux-tu... Salut, ici Julien Bernatchez et vous écoutez présentement le podcast Mouhaha! On dirait Woody Woodpecker, man! Mouhaha! C'est un petit prank que je te faisais. C'est parfait, c'est ouais. Parfait. J'aime ça. Hey, merci de venir. Merci de m'avoir invité. Ben, c'est super la fun. Écoute, juste pour les gens qui se joignent à nous et qui écoutent en ce moment, vont probablement se rendre compte que c'est très écho. C'est parce que, si, probablement que tu as écouté les autres épisodes avant. Ah oui, oui, oui. Non, mais je parle... Ben, les gens qui l'écoutent. Les gens ou toi, là. Okay, oui. C'était écho parce que, normalement, j'enregistre les épisodes dans la salle de réunion de chez Juste pour rire. Okay. Mais... dû aux récents événements avec Gilbert Rozon. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ben, je sais pas, hein? Ça a l'air que, comment je pourrais dire ça, il n'a pas écouté la toune Can't Touch This de MC Hammer assez, je pense. Ah, OK, d'accord. Pourtant, un classique. Mais pourtant, voilà. Ouais. Fait que c'est ça. Bref, non, mais c'est ça. C'était un peu grave. Et j'avais pas envie de faire le podcast dans cette salle-là qui est juste à côté de son bureau à lui. Donc, c'était pas à propos. Oui. Puis, moi, c'est ça, j'ai comme le goût de. Tu l'as aujourd'hui? Je pense pas. Non, il est, il est où depuis quelques jours? Sérieusement, je le sais pas. Ouais. Il doit être chez lui. On le sait pas. Puis, même être chez lui, probablement qu'il doit avoir des journalistes à la porte qui attendent juste qu'il sorte pour prendre des témoignages. Tu sais, je sais pas. Qu'il faut qu'il se fasse livrer. Ouais, mais toi, tu peux pas aller au dépanneur. Mais hein? Il peut pas répondre à la porte. Voilà, il pourrait acheter un dépanneur. Je veux dire, ouais. En tout cas, qu'est-ce qui. Je sais pas. Comment Gilbert se nourrit dans les derniers jours? On le sait pas, c'est mystérieux. Ben oui, il y a plein de monde qui vont dire, ben on s'en fout, effectivement, mais en même temps. Ah, ben oui, c'est sûr que c'est pas le. Je pense que c'est le cadet de ses soucis, là. C'est quand même intéressant de penser à comment vivent ces gens-là dans ces moments-là. Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ben, tu dois être dans un état de panique constant, là, c'est sûr. Ouais. Mais les pervers narcissiques ne se suicident pas. Fait qu'il va pas se suicider. Il va juste comme être là, là, puis attendre sa passe. Probablement, on sait pas. Bref, c'est ça. Fait qu'on est dans un studio de Il y en a qui jouent tout au golf. Ouais, je sais pas, ils jouent tout au golf sûrement. Je sais pas. Ils jouent tout au golf, ces gens-là. C'est vrai. C'est vrai, je sais pas. Sincèrement, je m'en fous un peu. Non, demain, évidemment. C'est pas... ils pourraient... ouais, non... Mais tout ça pour dire qu'on est dans un studio de remplacement, puis ben, c'est super écho parce qu'il y a juste nous autres dans un grand local. Mais à la dernière minute, on se servirait de bar, puis c'est ça, fait qu'on est ici. Donc ça va être écho, cet épisode-là, on est désolé, mais ça fait juste qu'on dirait qu'on est dans une plus grande pièce. C'est tout, voilà. Ben, moi, j'ai jamais été dans une aussi grande pièce, là. C'est grand, c'est très grand, c'est vraiment super puis, grand. Peut-être le gymnase à l'école secondaire, là, disons, c'était comme, c'était plus grand, là. Ouais, ça, c'est... genre, c'est un gymnase, c'était... C'était-tu un endroit que t'aimais, toi, le gymnase au secondaire? Alors, c'était pas ma force, non. Non, c'était pas... Non, 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 ben, tu sais, je suis petit, hein? Ouais. Aussi, fait que non, non, j'étais toujours choisi en dernier. Ah, moi aussi, j'étais tout le temps choisi en dernier. Puis, supposons, dans... T'es toujours avec des filles, si je peux me permettre, là, je suis toujours, parce que les filles sont un peu moins, en moyenne, un peu moins fortes. Ben, quand les cours sont mixtes, normalement, les gars vont être plus forts, un peu rapides. Ouais, disons, tu sais, bon, hein, bon on comprend, là, bon. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, j'étais toujours avec 5-6 filles, tout le temps, tout seul, le seul gars. Ouais, ouais. Ça, c'était cool. Ben, c'est vrai que c'était cool, les gens, ils pensent pas à ça, qu'à un moment donné, c'était quand même le fun d'être choisi en dernier, parce que, comme les gens n'avaient pas d'attente envers toi, tu pouvais te pogner le cul. Oui. Puis c'était correct. Puis les fois où tu étais bon, les gens capotaient. C'était comme un exploit. Il y avait comme quelque chose de quand même cool. Le cours de dire que c'est le seul cours que tu n'as pas à être bon pour avoir une bonne note.
C'est vrai. T'es, ça te prenait pas... la participation. Oui, si tu participes. Il fallait pas que tu lâches. Toi, tu dis-tu cours d'éduc ou cours d'édu? Je suis cours d'éduc. Moi aussi, je dis. Moi, je viens de Québec, je dis la bus aussi. Fait que je sais pas ouais, si ça non, a un impact. Ça, ouais. Je sais pas. Tu ne peux pas être parfait. Ça fallait que tu viennes de Québec. Non, là, c'est... Ben, voilà. Rive sud de Québec, c'est encore pire. Mais, c'est si pire que ça? Où, non, non, où ça c'est chill. Charny, mais là, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui est le référent à part... mais Charny, sur la rive sud de Québec, là... C'est où, à peu près, Charny? Je retourne, ben, juste au bord du pont, là. OK. À côté, tu sais, je faisais mes études à Sainte-Foy ou à Québec, là, à l'Université de Laval, puis au collège François-Xavier Garneau. Charny, Fils Garneau, OK, ouais. Ouais, 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 en cinéma. Charny, ben, il y a rien. Il y a vraiment encore plus rien que dans mon temps. Là. C'est comme fou. Ah oui, ça, c'est le contraire, ça s'est vidé. Ouais. Ben, c'est parce que là, ils ont à l'entrée de la ville, mais pas à Charny, mais à l'entrée, l'autre bord de la, en tout cas, juste à côté de Charny, ils ont construit un Walmart, un Canadian Tire, un Club Price, un Maxi. OK, les grandes surfaces tout sont ça, toutes installées là. Tout ça, il n'y avait pas ça quand j'étais jeune, okay. Sauf genre le Maxi. Fait que là, maintenant, il n'y a plus un site de commerce dans Charny. Okay. C'est juste des petites maisons, puis c'est juste ça, puis that's it. 10 000 personnes entassées. Un peu. Ben, je me dis, tu sais, moi, je n'ai même pas de permis de conduire. Là. Qu'est-ce que je ferais? Ben, tu écouterais. Ouais, je sais pas. Ben, j'écouterais Occupation Double. Je sais pas. Mais, Radio X. J'écouterais Radio X. Ah, mon Seigneur, ça me déprime. Fait que je sais pas. Ouais, non, ça serait long. Mais c'est une belle ville. J'aime ça y retourner quand. J'aime ça aller voir mes parents à Noël. Oui, c'est sûr. Puis là, ben, me promener dans les rues. Tu sais, c'est correct. Mais sinon. J'habitais là tous les jours. C'est toujours la fun de remarcher dans les rues où on a marché pour aller à l'école au primaire, mettons, de retourner dans les rues où on jouait. Quand ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, juste faire comme ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ah oui, j'aime ça. Et puis, ben, j'avais fait à Noël passé. Ouais. Puis, il y a une police qui a arrêté. Puis, je faisais rien. Là. Je connaissais pas de. je fais pas une bière, je commettais pas de crime. Je faisais juste marcher. Parce que généralement, je commets des crimes où je bois des bières. Ah oui, c'est ça. Mais, non, je faisais juste marcher. Puis il s'arrête, puis il fait à cause qu'il me reconnaissait pas. Fait que dans le sens qu'il connaissait tout le monde. Il connaît tout le monde, le Charny. Charny, ouais. Puis il me connaissait pas. Fait que là, il m'arrêtait de même juste pour ça. Ouais. Il dit, Chris, je suis pas le bienvenu. Ben, c'est ça, ce qu'on appelle du profilage aussi, là, en fait. C'est du profilage. Je sais pas si c'était mes cheveux longs ou les crèmes ou la bière que je buvais. Je sais pas c'était quoi, là. Mais en tout cas, c'est logique. Tu sais, mettons que quelqu'un rentre chez vous, tu sais pas c'est qui. Tu sais pas s'il est bien ou pas bien intentionné. C'est le principe c'est de. Pas tout à fait un bon parallèle, mais OK. Mais, oui, mettons que je fais un meilleur parallèle. Mettons, il y a un nouveau à l'école, il y a un nouveau à job. Tu sais, forcément, tu vas aller le voir, tu fais comme salut, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches-tu quelque chose? Ouais. C'est normal, c'est juste logique. Là, ben, je t'ai arrêté. Mais du profilage, il y a des règlements contre ça. Là, faut pas. Mais dans le travail des policiers, tu sais, quand ils. Mané, tu sais, je veux dire, je suis pas pro-profilage non plus, mais c'est juste que, mané, tu es dans un. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire arrêter salut par la police. Ils m'ont juste demandé si j'étais correct, puis où c'est que je m'en allais. Parce qu'il était 2h du matin, je marchais dans un quartier résidentiel. Ouais, ben 2h du matin, t'es-tu correct? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, ouais, ça m'est arrivé, là, je m'en vais chez une fille à 2h du matin, puis ils sont comme, tu fais là? Puis là, je m'en vais chez une fille, tu vas la fourrer, hein? Ah, pas vrai, les policiers ont dit ça? Ouais. Oh, wow, la belle classe. Ah ben, ça fait longtemps, là, je suis sur ma blonde, là, ça fait longtemps, c'était avant toi, là, capote pas. Ça fait genre 6 mois. Non, mais c'est correct, là, on comprend, on salue ta copine. On la salue. Oui, tu me parlais justement avant que l'émission commence, à quel point tu étais fou amoureux, là. Voilà, absolument. Tout va bien. Puis sinon, mais quand on parlait de marcher dans les rues à Charny, tu sais, je pensais à ça moi aussi, je me disais, ça ferait un beau court-métrage, c'est moi qui retourne dans les faire un pèlerinage, un lieu de ma jeunesse. Puis après ça, je me suis dit, ça intéresserait personne à part moi. Tu penses? Ben là, je sais pas. C'est sûr que là, je viens de le dire avec une belle... Ah, il y a quelque chose de... Non, mais... Les films de Ricardo Trogi, tu sais, comme... Ouais. En Québec, dans les années 80, tu sais, tout ça. Puis il y a quelque chose de nostalgique puis de le fun. Je pense que ça se pourrait. Faut juste que les histoires soient bonnes. Il y a moyen. Moi, je voyais plus comme les films d'Agnès Varda, les films français, les documentaires... Tu sais, où est-ce qu'elle va juste se prendre seule avec sa caméra, puis elle improvise, puis elle filme rien. Fait que là, tu sais, je retournerais juste là avec une caméra improvisée, puis filmer rien, puis... Faire arrêter par la police. Il y aurait ça. Au final, c'est un documentaire sur le profilage à Charny. Ah, ça pourrait être pas pire, en fait. Ça pourrait être les gens. Ça intéresserait. Et Charny, quoi? Oui, ce serait un autre troll que tu pourrais faire, en fait. Oui, ça serait. Non, oui. Parce que parlons-en, t'es comme connu. Ouais, c'est ça le thème de l'émission. Ben, on parle de mauvais coups. Ouais, c'est ça. T'as comme été dernièrement quand même une figure imposante dans le monde du troll, je te dirais, à la télé, à un souper presque parfait. Je pense que oui, quand même. Je ne veux pas m'en vanter, évidemment, mais je pense qu'il y a un avant et après moi. Oui. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu les deux gars qui ont réussi à aller à l'arbitre pour
à cause que quelqu'un avait enlevé un like à l'autre sur Facebook. Wow! Quand même, ouais, ouais. C'est quand même parfait. Là, c'est parfait. Puis même, à mon avis, c'est encore plus next level que ce que j'ai fait. Ouais. Mais en même temps, on dirait que ça a pas. On a moins parlé de ça. Ou tu me parlais que Joe Cormier est allé. Salut, Joe. Joe Cormier, ouais, qu'on a reçu au podcast, ah, oui. Qui est allé à un super presque parfait. Vous en avez parlé au podcast? Oui, il nous en a parlé. Ah, bon, bon, ouais. Okay, bon, on en a parlé là, mais tu peux en reparler encore. Ben, juste, mais ça, il y avait lui aussi qui est allé. Ouais. Bon, il y a quoi d'autre? Je pense qu'il y a Guy Spears, un gars que je trouve très drôle sur Facebook, qui était là à coup de foudre. Ouais. Fait qu'il y en a quelques-uns, mais j'ai l'impression que le mien, ça a eu de l'impact en sacrement. En tout cas, moi, ben, ça a changé ma vie. Là. Mais les gens étaient là sérieusement, là, les autres, là, tu sais, là, quand même. Là. Puis tout était tellement comme décalé avec le château de saucisses. Puis ouais, là, ouais, ouais. Ben, c'est ça, j'en ai parlé déjà comme souvent dans d'autres podcasts. Bon, je vais probablement me répéter un peu ou je vais essayer de faire ça relativement bref, mais. Tu sais, moi, comment je vois ça, c'est que c'était non seulement c'est un genre de troll prank, là, mais c'est aussi une performance artistique. Ça peut sonner prétentieux, mais c'est vraiment ça. C'est genre, je sais vraiment pas faire à manger. Puis les gens me posent la question. Ils pensent, tu fais semblant, tu exagères. Oh, ouais, ouais, ouais. Puis ça aurait pu peut-être, mais non. C'est what you see is what you get. Je sais vraiment pas faire à manger. Puis même ce que j'ai fait là, qui est de la merde, ça a demandé toutes mes ressources, là. T'sais, faire un gâteau, là, j'avais jamais fait un gâteau. Ouais. Faire un gâteau, puis en même temps de faire la soupe, en même temps de faire les patates pilées, qui étaient toutes des choses que j'ai jamais fait, ça me demandait tout, là. C'est comme ça, c'était vraiment le moment éprouvant pour moi. Je suais, j'étais pas bien. Puis mais, ça, ouais. Ils prennent pas des gens. Tu sais, je me rappelle, j'avais. Dans l'après-midi, je sortais mes assiettes en carton, puis la réalisatrice était comme, mon Dieu, c'est parfait. Puis, tu sais, ça faisait, il y a quoi, il y a eu à ce moment-là 800 quelques épisodes, puis j'étais, ben là, je peux pas être le premier à avoir fait ça. Fait, ben oui, Julien, on les prend pas, les gens qui font ça. Ils prennent pas. Mais non, non, parce que généralement, les gens, ils essayent vraiment. Puis, on s'entend, là, pour faire de la bonne TV, ils prennent quand même pas des gens équilibrés, sains, normaux. Ben clairement, ils essayent de prendre des gens qui sont punchés, qui ont un type. Ben, disons, je dirais, ce qu'ils essayent de faire, c'est que. Faire des amalgames de ouais. Différents types de gens. Il y en a là-dedans. J'écoute pas régulièrement l'émission, mais j'en ai vu, évidemment. Il faut toujours en avoir deux, trois qui sont relativement normaux, puis deux, trois qui sont ouais. Relativement des hosties de fucking André. Ouais, ou un peu, ben, ça, un ça, peu plus marginal, donne, ouais, c'est plus ça. Marginal, on va dire plutôt. Ouais. Fait que, tu sais, ça donne ce que ça donne. Moi, ça, supposons, étonnamment, les deux fois que je l'ai fait, je suis jamais tombé sur des personnes âgées. Ça aurait été spécial. C'était toujours des gens qui avaient sensiblement mon âge. Ouais. Mais, tu sais, j'étais vraiment chanceux par le hasard. Que pendant mon émission, en plus, j'avais le gars qui est comme qui aime pas les étudiants, qui aime pas les. Ouais, le gars de droite, le gars de construction, ouais. Qui croit pas au réchauffement climatique. Il y a Annie qui en mettait un petit peu pour l'émission, pour faire du conflit. Ouais. Mais ça reste quand même, tu sais, profondément, ses valeurs ouais. Sont de droite. Là, ça reste un gars climato-sceptique de droite. Ouais, ouais. Fait que, tu sais. Puis bon, puis le Peter aussi qui était quand même assez survolté, disons. Ouais. Tout ça. Fait que, tu sais, j'étais chanceux là-dessus, que c'est tous des gens un peu caricaturaux, là. Fait que c'est encore. Le clash est encore plus intense. Puis c'est sûr que rendu à la fin de la semaine, là, il avait catché le personnage. Ben, il m'avait trouvé sur YouTube. Là. Il était allé voir les bandes pensantes rendues au jeudi, oui, vendredi. Parce que tu as fait bandes pensantes. On a travaillé ensemble sur ce show avec Mike Ward. Oui, à Musique Plus. T'en as fait combien de capsules, toi? Trois? Non, 5-6. OK, OK, pardon. 5-6, ça a fait la même. Puis j'en avais même fait deux qui n'ont jamais diffusé. Eh oui, il était chiant là-dessus. Oui, puis il y en a une qui ne m'ont pas payé, d'ailleurs. Musique Plus, tu me dois un incroyable gros cachet de 300 C'est 300 oui. 300 puis qu'ils comprennent notre intervention à la télé aussi. Là, oui, non, c'est ça, exact. C'est vraiment. C'était pas bien payé, mais j'ai aimé ça. J'ai aimé l'expérience. Puis c'est. Ouais. C'est spécial à dire, mais c'est avec le recul que j'ai réalisé à quel point j'ai aimé ça. C'était pas le fun parce que V venait d'acheter Musique Plus. Ouais, c'est une petite période. À Bell Media. Fait qu'à chaque fois qu'on rentrait au studio, il y avait une fille qui braillait en faisant ses boîtes parce qu'elle venait de recevoir le courriel, qu'elle était slackée parce que les frères Rémiard ont comme mis pas mal tout le monde dehors à Musique Plus. Fait que tout le monde rentrait travailler en sachant pas s'il y avait encore un job. Ouais. C'était vraiment une période hyper attendue. C'était pas le fun. C'est probablement qu'en d'autres circonstances, on serait peut-être. On s'entend que l'émission n'a pas connu un énorme succès. On se mentira pas. Mais je pense qu'en d'autres circonstances, on serait peut-être au moins revenu à l'hiver. Peut-être, ouais. Mais en même temps, cette émission-là. Mais là, se finalement. Elle cherchait un peu. C'était pas clair. Elle cherchait. Mais moi, c'est ça que je trouvais plate. C'est que, tu sais, tranquillement, certains collaborateurs. Sont partis, sont disparus. Ouais. Mon oncle Serge faisait une toune à chaque semaine. Ouais, c'était cool. C'était le fun. J'ai eu du gros fun à jaser avec mon oncle Serge. C'est un gars. Mon oncle Serge, c'est mon nom maintenant. Là. Ça, fascinant. Ouais. Puis,
des petites affaires qui ont changé. Au début, comme on interrompait Mike d'une manière fake, là. Ouais. L'émission a commencé comme ça, maintenant ils ont arrêté ça, tu sais. Ben, on a essayé les affaires, je pense qu'il y a une saison 2. Les affaires, c'est pas grave, tu sais, c'est ça, faut essayer. Il y avait aussi, ils arrêtaient les vidéos aussi au milieu avant. Ils arrêtaient, puis le Mike faisait comme une farce, puis là, on retournait aux vidéos, tu sais, ça aussi, on arrêtait ça, tu sais. Maintenant, ils ont juste laissé les vidéos jouer. Ben, tu sais, c'est ça comme maintenant qu'on veut. Fait que, non, je pense qu'une deuxième saison, ça aurait été une bonne idée. Ouais. À tout le moins, même si c'était pas une immensément populaire, ça devait pas coûter cher, là. Non, je pense pas, mais moi j'y croyais, je trouvais que c'était quelque chose de le fun, mais c'est tout le temps le risque d'essayer d'amener le web à la TV, tu sais, des fois ça marche pas tant que ça. Non, évidemment. Mais des belles rencontres, man, pour vrai, toi j'avais eu du fun, Gab Jonka, j'avais eu du fun, les bombes avec David Henner, man, j'ai découvert un personnage tellement... David Henner, là, David Henner est devenu un ami, et puis, tu sais, on est complètement différents. Mais oui, mais ce gars-là a brisé beaucoup de préjugés que j'avais envers les bombes un peu punk qui font de la porn, puis qui, tu sais... Le gars, il était quand même. Tu sais, j'étais là à sa fête la semaine passée. Là. Oui, je sais, j'ai vu dans la story Snapchat. Ben oui, c'est là. Ça. Puis là, je pense qu'il prend une photo, puis finalement, il filme. J'ai vu dans l'urinoir, c'était. Magique. Non, c'était magique, c'est super le fun. Puis c'est ça, c'est comme. Tu sais, on se voit pas régulièrement, là, on s'écrit pas vraiment. Mais tu sais, je participe à ses projets de temps en temps, je suis là à sa fête, je suis devenu un ami, puis. Il est super chill, il est beaucoup plus relax. Mais il y a le personnage public, puis il y a le dude, là, tu sais, comme Alex Roof, en fait, tu sais, il y a le personnage public, puis il y a le dude, là. Il est super gentil, tu sais, puis il est travaillant, puis il est à son affaire, tu sais. Ouais, exactement. Vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait croire de lui si on le connaît pas. Il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça, Puis à ce show, beaucoup, tu sais ça, Dave Henner, toi, je me souviens pas si c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, je m'en rappelle pas, je sais plus si on s'est rencontrés là, mais... À peu près tout le monde, Catherine Etier, je la connais... Je l'aime d'amour, Catherine Etier est excellente. Je me trompe pas, je la connaissais pas avant, puis... Vous connaissez pas Catherine Etier, elle écrit, elle fait les vidéos de Doigt de Dame, entre autres, je pense que c'est devenu une amie. Géniale, cette fille. Comme tout le monde est devenu mes amis là-dedans, fait que ça, c'est le fun. Il y avait une ambiance de télé communautaire, là, tu sais, c'était... c'était le fun, ça! C'était super le fun! Ouais, mais je suis dans le bon sens. Très DIY, Il y avait Yann Thériault qui était là aussi. Yann Thériault, oui. Au début, c'était live, là, maintenant, ça ne l'était plus, là. Mais au début, c'était live. Puis, comme La fin du monde est à 7h, aussi, au début, c'était live, puis maintenant, ça ne l'était plus. Puis, tu sais, dans La fin du monde est à 7h, c'est mon émission culte quand j'étais jeune. Puis, ce que j'aimais, c'est qu'on entendait, genre, l'équipe technique rire. Des jokes de Marc Labrèche. Ou Bruno Blanchet. Puis là, j'essayais de faire ça à ce show. L'affaire, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'équipe technique. Fait que ce ne soit pas avoir des gros. Quand tu as entendu le gag deux fois en répète. Ouais, moi aussi, évidemment. Mais ça, j'essaie de le modifier un peu. Mais tu sais, on s'en permettait. Je faisais tout le temps des petits jokes trash, tout le temps. Puis j'entendais, je faisais rire. Tu sais, j'aimais l'ambiance, là. À chaque fois, j'étais avec les Picbois, j'essayais tout le temps de pincer les fesses. Dom Massy pendant que la caméra jouait ou pendant qu'il parlait, juste pour comme qu'il soit pas confortable. Qu'il y a un moment. Mais on était live. Fait que là, tu peux pas comme décrocher, puis moi, je faisais juste comme pouic, 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 pouic. Puis Dom était comme. Mais tu sais, subtilement en dessous de l'espèce de plateau de char, là, tu sais. Ouais, je pense que c'était un aile d'avion. C'était un aile d'avion, la table. Pas que j'ai pensé là-dessus non plus. C'était un décor trash. C'est un décor trash. Mais non, c'était tellement le fun de mettre Dom Massy comme. Ah, ben oui. Pas à l'aise pendant que ça tourne live en plus, puis il suait à grosses gouttes, là, tu sais. Dom est quand même un peu anxieux comme personne, c'était parfait. Ouais, quand même. Monsieur, moi, on avait. J'ai déjà raconté à ce show, mais bon, on avait. On s'était dit, maintenant, on va s'embrasser live, ça va être drôle. Ouais. Puis là, on l'a fait, puis c'était comme, personne n'a ri. Puis là, c'était pas drôle, là. C'était comme juste, deux gars qui s'embrassent, là, OK, ça a été fait 1000 fois. Ouais. Tu sais, fait après ça, t'es mal. Puis là, à la fin de la saison, quand ils disaient, on pourrait mettre un montage des pires moments, ils disaient, le moment où ce que Julien puis Dom s'embrassent. C'est devenu un des pires moments. Un des pires moments de la très courte histoire de l'émission. Oh, wow! Ben oui. Mais tu sais, comme, moi, j'adore ton personnage. Tu sais, je sais que le personnage est quand même loin de toi, mais pas loin tant que ça de toi. C'est comme une. Je suis d'expliquer en disant que c'est comme une extrapolation de mes défauts, là. T'sais, ouais, c'est ça. C'est moi, supposons qu'il serait. Supposons que j'étais avec une fille pendant genre 8 ans, ma première relation, là. Tu sais pas c'est quoi, toi? Là? De quoi ça? Être avec une fille longtemps comme ça? Oui. Non, je sais, c'est une blague. Je l'ai raconté un peu croche. En tout cas, puis après ça, puis tu sais, vraiment, ça a été, quand ça s'est terminé, ça a été vraiment une des pires années de ma vie, bon, évidemment. Puis comme ces bandes pensantes, c'est lui, c'est ce gars-là, c'est comme s'il ne se remettait jamais. C'est un gars détruit, bande pensante. J'ai fait beaucoup d'efforts pour me remettre de ça, puis tu vois, puis le temps passe, puis on fait des rencontres, puis maintenant, ça m'apparaît tout ça très loin, évidemment. Mais disons que je m'étais jamais remis, là. Disons là, qu'on serait 8 ans plus tard.
Je m'étais jamais remis de cette histoire-là. Ouais. Je serais encore là à penser à elle, puis à être seul, puis à être comme dans un déni weird. Ça a-tu été une thérapie, bande passante, un peu? Ça a-tu été une façon pour toi de sortir, d'aller visiter puis d'explorer un peu ce que tu vivais? Déjà ça faisait longtemps quand j'ai commencé ça, mais avant ça, c'était le Luc mon héros que j'avais fait. Puis ça fait 10 ans. Fait que c'était vraiment, ouais. C'était avant Facebook. C'est vrai! Puis le Luc mon héros, ben, c'est la même affaire. C'est le même personnage. Sauf que lui, il tripe, c'est le Luc, là. Fait que c'est un peu plus. Ouais, t'avais fait ça en route devant mon premier gala. T'avais fait ça en route devant mon premier gala. Ouais, ça n'avait pas marché. Les gens étaient pas prêts pour ça, je pense. Je pense que non. Ben, tu sais, j'avais beaucoup moins d'aisance sur scène aussi dans ce temps-là. Ben, pas que j'en ai énormément aujourd'hui, mais. Mais ton awkward que t'es a l'air placé. Ouais. Fait qu'on comprend que c'est une intention, que c'est pas juste le dude qui est juste étrange, tu sais. Ouais, puis qu'on donnez-y de l'aide à quelqu'un. Ouais, c'est ça. J'ai un élève à l'École nationale de l'humour, je donne des cours de soir à l'ENH, puis j'ai un élève que c'est ça, il essaie de jouer sur une frontière, puis des fois, je suis comme, t'es tellement un peu un débutant que moi, quand je te regarde, je ris pas, puis je fais « wow, quel personnage », je fais « pauvre petit loup », puis je suis malaisé, parce que la frontière est mince, tu sais. Tandis que je trouve que c'est clair, tu sais, ton... Ben, je pense que ça l'est. Je pense que vraiment la majorité du monde comprenne. Là, en tu l'as placé. Que, oui, supposons, je suis un peu alcoolo, le personnage d'un peu alcoolo. Un peu, je sais pas moi, sentimental, un peu weird. Mais tu sais, on catch là, que j'ai une vraie vie. j'ai une job, une vie sociale, des amis, une blonde, des affaires, tu sais, que je suis pas lui, là. Je suis pas ce gars-là. Mais il y en a qui catchent pas vraiment quand même encore aujourd'hui. Puis je me rappelle encore une fois à ce show, il y avait une fille, on la nommera pas évidemment, mais quelqu'un qui travaillait sur l'émission chaque semaine, puis elle a jamais compris. Elle a jamais compris que tu... Bande pensante, c'était des documentaires, là. C'était... OK. Elle était pas... pensait pas que c'était... J'expliquais, là. Okay. J'expliquais, tu sais... Non. Je pense à ce moment-là, quelque chose dans la vie en ce moment-là. En tout cas, j'expliquais. Non, j'ai une job. C'est décalé bien raide, là. C'est pas moi. Mais non, mais tu sais, je veux dire, il se peut pas, le personnage. Mais non. Là, il y a des épisodes... épisodes où il se fait enculer par les amis ratons. Ça se peut pas, là. L'épisode, il y a un coloc gay, puis son coloc gay le fout à la porte à la fin. Puis on ne le revoit jamais, le coloc gay. Ça se peut pas. Elle pensait vraiment là, que j'allais crissement mal. Wow. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, c'est quoi bande pensante? Parce que je ne cherche pas bande passante, c'est bande pensante. Comme ça, si c'était à refaire, par exemple, j'aurais donné un autre nom que ça. Mais c'est vraiment, vraiment un univers, le fun. Merci. Ça me fait rire parce que... C'est pas genre un truc que tu regardes en riant tout le long. C'est l'affaire que tu regardes avec un sourire et tu fais « ben voyons ». C'est cette espèce de vibe-là. C'est pas fait pour être à se taper ses cuisses. Non, mais au final, c'est super agréable. Mais je le dis, j'en suis tout à fait conscient. C'est un autre rythme, t'écoutes ça, puis tu montres ça à tes amis, puis tes amis comprennent pas. C'est genre t'adores ou t'haïs. Moi, j'ai des fans, là, j'ai des fans weird, là, j'en ai beaucoup. Mais à l'inverse, il y a du monde, tu sais, qui ont jamais trouvé ça drôle, là, qui comprennent pas. Le personnage est juste trop loser. Le personnage est vraiment. Il aime pas ça. Mais tu sais, comme mettons, moi, je sais que vous êtes quand même taquin, là, parce qu'à un moment donné, vous m'aviez invité. Un peu taquin. Quand même. Vous m'aviez invité à votre émission à CISM. À Choc. Excuse-moi, Steve. À Choc. Le pire, c'est que tout le long, j'étais comme, c'est pas Choc, c'est CISM, Jérémy. Écoute, à Choc. I wish. J'aimerais ça être à CISM, mais si ils veulent pas de nous. Ah, mais Choc, c'est cool. C'est la radio du Cam. C'est cool, Choc. Ben, Choc, c'est qu'on est. On a clairement une liberté de propos absolue, là. Ben, t'es à l'UQAM. Je pense qu'il nous laisse un peu tranquille aussi parce qu'on est comme un show qui marche beaucoup. On est l'émission la plus écoutée de la station, semble-t-il. Êtes-vous seulement des étudiants de l'UQAM? Il n'y a aucun étudiant de l'UQAM. Non, aucun. C'est ça, c'est drôle. Je pense, quand j'ai commencé il y a 6 ans, je pense que je l'étais encore. Puis c'est tout, là. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a aucun étudiant là-dedans. Il y en a qui sont même pas à l'université. Ben, vous m'avez invité un moment donné, puis je suis arrivé en retard parce que votre émission, c'est Des Si et Des Rais. Oui. Et c'est le samedi matin. C'est le samedi matin, 11h. C'est ça. Et en balado, diffusion pour l'éternité. Voilà. Et là, vous m'aviez invité, puis moi, j'étais parti comme une demi-heure d'avance en me disant j'ai le temps de me rendre, Pointe-aux-Trembles, centre-ville, c'est samedi matin en auto. Tu sais, c'est pas vrai, je prends Notre-Dame tout le long, ça va bien aller à la LUQAM, tu sais, poc. Mais non, c'était la journée où il y avait les géants du 375e. Fait que la ville était... C'était le bordel à partir d'Hochelaga-Maisonneuve, essayer d'aller au centre-ville. Je comprenais pas, je savais pas c'était ça qui se passait. Fait que là, vous m'avez comme appelé,
sur mon sel. Puis là, moi, j'ai pas de Bluetooth dans mon auto. Fait que j'ai un espèce de truc qui tient, un truc en plastique qui tient les téléphones, de snapper dans la chaufferette, oui. qui tient mon téléphone, mon iPhone, que j'ai mis sur haut-parleur, que j'entends quasiment pas. Fait que là, oui. je conduis penché par en avant en parlant dans le téléphone sur le haut-parleur, parce que vous autres, vous m'avez mis que le téléphone en onde. Oui, oui. Vous êtes comme, fait que là, Jérémy, t'es où? Puis là, je suis comme, OK, je suis pogné, nanana. Et là, t'as... C'est Dom Massy dans votre gang des Pigbois, je pense, qui a fait ça, qui se faisait passer pour Rock Voisine. Ouais, je pense que c'est Dom Massy, ouais. Ouais. Il fait... Ça, les Pigbois font des personnages tout le temps, chaque semaine. Jérémy, on t'attend, t'es en retard à l'émission. Moi, je me sens mal, puis je sac dans mon char, puis je capote. Fait que oui. là, je suis comme, ouais, ouais. Puis t'es comme, oh, ça, on a Rock Voisine avec nous autres. Puis moi, je suis comme, ça se peut tellement qu'il y ait Rock Voisine. Tu sais, pourquoi pas, il n'y aurait pas un invité, puis Rock Voisine, peut-être que c'est un gars full indie, qui aime ça, les ouais, émissions genre, de Lucam. Tu sais, why not, là, le gars? C'est pas impossible. C'est pas impossible. J'ai l'impression que vous l'invitiez pour vrai un jour, Rock Voisine. Ben, pour essayer. Comment on fait pour inviter Rock Voisine? Tu y écris, je pense que c'est pas mal ça. Ou passe par Jonathan Biguébinette. C'est son tech de tournée. Je suis sûr qu'il y a des contacts. Bon. En tout cas, tout ça pour dire que moi, là, je suis tout le long dans le char, je parle à Rock Voisine. Puis moi, j'ai fait des shows avec Jonathan Biguébinette. Okay. Fait qu'il m'a parlé de Rock Voisine. Ouais. Fait que je sais que Rock Voisine, dans son garage, a des kits de hockey de toutes les couleurs que tu peux imaginer, parce que c'est un fan de hockey. Oui. Il y a des kits, là, la poche de hockey, le bâton, le casque, tout le kit de plein de couleurs. Puis moi, je suis sûr je parle à Rock Voisine. Fait que là, moi, je suis là, « Hey, ouais, ça a l'air, t'aimes le hockey, Rock! » Puis là, je me sais plus trop qu'est-ce que j'ai dit. Puis là, Dom, il s'en va complètement ailleurs. Puis je suis comme, ben voyons donc. Puis là, moi, je me mets à douter. Ah, oh, man, Big, me tu dis de la merde. C'est pas vrai qu'il y a un kit de chaque couleur. Tu sais, il aurait bien pu me dire ça. Pour que c'était lui qui t'avait pranké. Non, mais là, mais il y aurait... Jonathan, le tech aurait bien pu me faire croire que Rock Voisine a des kits de toutes les couleurs. Bon, pour qu'un ouais, jour, si jamais je rencontre Rock Voisine, j'y en parle et fasse comme de quoi tu parles, toi? Parce que Big, c'est le genre de con comme ça, tu sais. Fait que là, moi. C'est une joke à long terme, là. C'est vraiment? Bon. Ouais, c'est un build-up. Ouais, ouais. Moi, tout le long, je suis juste comme. J'essaie de parler à Rock Voisine, puis ce qu'il me dit, fait pas avec ce que je sais sur lui. Jusqu'à temps que je catch que vous me niaisez, tu sais. Ouais. Ah, c'était très drôle, ça, vous m'aviez eu, là, comme ben, faux, là. Tant mieux, je suis très content de ça. Ben ça, il interprète des personnages presque chaque semaine. Ouais. Puis, tu sais, évidemment, on reçoit réellement des personnalités comme toi. Ouais, mais quand j'arrive, des, là. Ouais. Quand tu y vas. Mais on reçoit aussi des... plutôt quand même des fois des gros noms, là. Lisa Leblanc, c'est pas trop ouais, bon. Ouais. Mais souvent, c'est juste Dom qui fait un personnage. Mais malgré ça, je demande quand même aux gens des questions sur Facebook. Fait que là, supposons que Dom fait Claude Robinson. Wow. Puis il parle de même, puis tout ça. Ben, c'est mes bébelles. C'est mes bébelles, ça va dans ma cour. Puis là, je prends les vraies questions des gens sur Facebook qui. Des fois, là-dedans, il y a des gens qui ne doivent même pas écouter l'émission, là, ouais. qui s'en crissent, qui ne savent pas c'est quoi d'essayer des raies, mais j'écris on reçoit Claude Robinson. Avez-vous des questions pour lui? Puis les gens prennent ça au premier degré. Puis qu'ils posent des vraies questions sur Sinard, Quand j'étais jeune, j'écoutais Robinson scrouer, puis moi, j'avais pas la moindre idée qu'on vous avait volé à ce moment-là. Je tiens maintenant que je le sais à sincèrement m'excuser auprès de vous. Fait que là, je pose cette question-là au faux Claude Robinson à l'émission. Puis là, lui, il répond comme s'il était Claude Robinson. Bon, là, c'est pas de ta faute, ma petite. Moi, tu peux pas. C'est le Père Noël, c'est genre le Père Noël. Ben, ils sont similaires. Il n'y a pas de Père Noël d'un film québécois. Quand même. Bon, c'est pas, tu savais pas, petite fille, moi, il n'y a pas de problème. Il est très positif, notre Claude Robinson. Puis, mettons, toi, comme, à part avoir comme trollé le Québec au complet, là, un super presque parfait, oui, quel mauvais coup t'as fait, mettons, que t'es vraiment fier là, dans ta vie? Ben, j'ai pas fait beaucoup de mauvais coups, c'est ça. Je savais, moi, je suis venu à ton émission, ben, je t'aime bien, tu sais. Ah, t'es bien fin, merci. Mais, j'étais comme, Chris, j'en ai pas. J'ai pas fait de mauvais coups. Je sais pas de quoi. Bon, ben, c'est la fin de l'émission. Ben voilà, ben, c'est avec bien fun. Que... Fait que, toi, là, tu vas jeter l'épisode. J'ai été bien calme! Ouais, parce que moi, quand le Kodak tourne pas, je suis vraiment amer. Ah oh, oui, non, bête, si vous me croisez, parlez-y pas, regardez-y pas dans les yeux. Ah, mais... Julien, je te fais venir, pourquoi tu penses, est-ce que tu... On tourne un 8e étage en plus, c'est ça, 9e. Ben, la seule fois que j'ai pensé, ouais, je me souviens quand on était ados, on était assez... On était bien intense. Quand j'étais jeune, je n'étais pas capable de faire des pranks. Je voyais des... tu regardes un article dans Spirou Magazine. Spirou Magazine, merci de me rappeler ça. Spirou Magazine ou Mickey Mouse Magazine. Moi, j'avais les coulicous, les hiboux, coulicous, les petits débrouillards. Coulicous, c'est plus 3 ans, là, je pense. Ah, ben, jeune, mais, j'avais ça. Les petits débrouillards, ben, mon frère en avait beaucoup. J'en avais lu quand même pas mal, mais je lisais juste comme Beppo, la bande dessinée à la fin. Là. Ouais. Ben, comme la courte échelle, non pas la courte échelle, pardon, j'aime lire.
Je disais juste Tom et Nana à la fin. Okay. Puis je disais pas, tu sais, c'était en lettre attachée, c'est fait chier. C'est vrai que c'est compliqué au début. Compliqué. Hein, je pense que les jeunes n'apprennent même plus à lire. Tu pourrais me le confirmer, tu as deux jeunes filles. Non, ils apprennent à lire et à écrire en lettres cursives. Oui, encore. Encore, oui, OK. Encore. Je pensais que il faut. Je commence à penser que c'est un peu. C'est pas inutile parce qu'il faut l'apprendre parce que. Parce que, ça, c'est l'âge que, tu sais, il amène des connaissances. Là. Ouais. Tu apprends ça à 40 ans. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a encore des. Pas, hein? Moi, quand tu signes ton nom, par exemple, tu signes à lettre attachée, tu sais. Ben, pas ma blonde. Ma blonde écrit son nom. Ah oui, OK. Bon. Ça dépend des gens. Ben, c'est parce que c'est assez facile après ça à falsifier. Ouais, elle écrit très mal son nom. Fait que c'est quand même une signature. Les E à l'envers. Ouais, dyslexique, ben, oui. Paralysé. C'est correct. Fait que je regarde ce poseur, moi, dans Picsou Magazine, puis dans. Pis dans il va y avoir des articles genre sur les mauvais coups, puis tu sais, ça va être, je sais pas, moi, mettre une. Du saran wrap à la toilette. Puis, non, il doit pas avoir ça dans Spirou Magazine. Je pense pas, non. Il y a un gars. Il y a un gars. Juste une parenthèse là-dessus. Il y a un gars. Je vais citer un gag, OK, parce que c'est ben trop drôle. Oui. Il y a un gars. Il y avait une soirée avant au Bleury, bar à vinyle. Le gars était barman. Il est anglophone. Il en faisait en anglais, mais aussi en français un peu. Puis, je me rappelle pas de son nom, mais il était vraiment drôle. Puis, il a fait un gag justement là-dessus parce qu'il fait. Moi, c'était le 1er avril la semaine passée. Fait que j'ai mis du saran wrap sur la toilette à ma blonde. Tu sais, puis il dit ça. Fait que là, tout le monde est comme, ouais, ouais, le bon vieux truc de, elle va pisser là-dessus. Puis, comme, non, non, c'est parce qu'elle est boulimique. j'ai tellement trouvé ça dégueulasse. C'est-tu Frankie Laugh? Non, mais c'était un peu le même ton. Ouais, ça a l'air d'être, tu sais, bilingue. Mais avec un accent anglo. C'était drôle, là. Ah, c'est bon. On peut faire ça. Ah, ben voilà, ben, on va voir si je l'aurais raconté comme ça. C'est ma joke préférée de boulimie. Mais ben, c'est ça, ouais, elles sont nombreuses. Boulimie. Mais ça, Bouli, pas Bouli, les boulets à l'école, mais le petit... Un chapeau gris, une écharpe rouge, voilà Bouli avec son petit nez rouge. C'est ouais, important, ces choses-là. Je connais ça. Fait que c'est ça. On est nés la même année. Je disais Bouli Magazine, tu sais, puis là, Saran Wrap, c'est à la toilette. Puis bon, mais tu sais, moi, j'ai essayé de faire ça une fois, puis la personne le voit tout de suite, puis ça marche pas. Je sais pas qu'elle fait des pranks, là, tu sais. J'en connaissais pas de pranks, comme que je connaissais pas de jokes, comme je connaissais pas rien. Tu connaissais pas de joke? Ben, genre, je sais pas. Moi, le monde me dit, ça doit t'arriver toi aussi, je présume. T'es humoriste, conte-moi une joke. Ah, oh ben non, ça, c'est la pire chose affaire. J'en connais. Tu peux pas compter mes jokes, parce que c'est comme un peu des affaires sur un build-up, ou des fois. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que je connais trois jokes. Mais je m'égare un peu. Fait que c'est pas grave de faire des. Non, je comprends, mais c'est parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est quand les gens te demandent de te conter une joke tout de suite, c'est que là, ils ont les attentes de rire. Fait que là, c'est comme, mais t'es pas dans le bon mood, là, t'es bras croisés, puis t'es comme, ah ouais, fais-moi rire. À n'importe qui tu demandes soit drôle maintenant, personne n'est capable, tu sais, ça marche pas. Ben, moi, supposons, il y a des gens qui m'écrivent pour. Je te disais tantôt que quelqu'un m'écrit parce qu'il voulait aller pêcher avec moi. Sinon, quelqu'un m'a écrit parce qu'il allait aller à la ronde avec moi. Attends. Quelqu'un t'a écrit parce qu'un de tes fans t'a écrit veux-tu venir pêcher avec moi? Tu sais, j'ai des fans qui m'aiment beaucoup, tu sais. Puis c'est vraiment, ils aimeraient ça, genre, aller faire une activité avec moi, là, tu sais. OK. Mais je peux pas faire ça. Pourquoi? Je connais pas. Je connais pas ces gens-là. Qu'est-ce qui arrive? Puis où j'en venais, c'est que j'ai l'impression que ces gens-là ont vraiment de grandes attentes envers moi. Tu sais, ils vont. Tu sais, moi, je suis pas tout le temps drôle, là. Je sais pas. Ben oui, quand même. Peut-être un peu. Je sens drôle, mais tu sais, je sais pas. Mais tu sais, des fois, je suis dans ma bulle, je suis dans ma tête, ou je suis fatigué, ou je peux même parfois être grognon, pas souvent, mais. Tu sais, je sais pas, pas tout le temps drôle, Carlis. Fait que là, tu sais, le monde, je me dis, il doit s'attendre tellement. Ouais. Dernièrement, il y a un fan français qui m'a écrit « Je viens à Montréal pour une semaine, est-ce qu'on pourrait aller prendre un verre ensemble? » Non. Non. Puis après ça, j'ai repensé puis je me disais « Chris, c'était pas une demande si… » C'est pas si compliqué que ça. Moi, je m'en allais en France puis j'avais un gars que je… un humoriste ou un gars du web, je sais pas, parisien, que je suis depuis mettons, des... Franck Dubosc. Franck Dubosc. Franck Dubosc. Là, j'ai écrit, c'est ça, là, j'ai écrit, on va prendre un verre, puis ben, je pense qu'il me répondrait pas, mais en tout cas, mais... Ouais, non. Mais c'était pas une demande irraisonnable, disons, déraisonnable, pardon, mais tu sais, je sais pas, non. OK, je comprends, mais c'est correct. Je ne veux pas décevoir le monde. Je ne veux pas que ça soit déçu, qu'il y arrive. Puis mais tu n'es pas ingrat pour autant. Là. T'es pas ingrat je pense pour pas. Non, mais je réponds aux gens. Ou tu sais, j'ai une bonne. Je pense qu'on a une bonne communication, là, tout ça. Là, sur mon Facebook est assez intense parfois. J'ai des photomontages différents tous les deux jours, comme vos autres profils. Mais les gens, parlons-en de tes fans. Les gens font des photomontages avec toi constamment. C'est vraiment.
je t'envie, là. De m'avoir genre tes 700. Fans sont quelque chose, ouais, là. Ouais, ouais, ouais. Ils te photoshopent dans tout. T'es ouais. comme un icône, homme en fait. Ou femme, animaux. C'est malade, là. Dans l'actualité. Généralement, s'il y a quelque chose d'actualité important qui arrive, là, quelqu'un va me photoshopper dans la situation. C'est incroyable, ça. Fait que, tu sais, j'ai des photoshops pour... Comme toutes les émissions cultes, là, dernièrement, bon, tout le monde parlait sur Facebook que Passepartout allait revenir. Ouais. Fait que là, je me disais, ah, genre des photomontages de Passepartout. Je regarde un peu, j'en ai trois différents. J'ai des Photoshop pour toutes les situations. Il y en a un que je remets à chaque année au Grand Prix. Ouais. Il y en a. C'était que. Ben oui, j'en ai huit de Noël, là, tu sais. Tout est fait. Même l'émission, elle existe. Bibi et Geneviève, La Petite Vie, Ouattatatar, Radio Enfer, Robin Stella. Je vais avoir toujours un photomontage de moi là-dedans. Oui, quelqu'un qui a fait un photomontage de moi en sport billy. Ah, je l'ai pas capoté. Celui-là. Capoté. Ben oui. J'étais. Alors, si quelqu'un peut me faire en sport billy, s'il vous plaît. Ah non, mais moi, j'étais tellement content. J'étais comme, mon Dieu, puis ça sortait de nulle part en plus. Là, ouais, j'étais tellement content. C'était hot, ça. Ben, il y en a que je publie pas des fois. Ben, il y en a qui sont juste pas assez réussis techniquement. Ou wrong, genre. Puis c'est ça. Il y en a qui sont wrong. Tu sais, bon, tu peux pas. Disons un. Comment dire. Il y a des événements d'actualité qu'on peut pas vraiment. Ben non, c'est je me mettrais pas en guillotine sur cote, là. Genre, non, non, genre, c'est ça. Là, j'ai vu plein d'images sur Internet passer, mettons, sur Salvaille ou whatever. Puis je suis comme, hey, ça, c'est salé, là. C'est too much. Mais il y en tu avait, vois, t'es comme, non. J'en ai mis un, puis je l'ai effacé une heure après. Puis c'est rare que je fasse mes jokes. Parce que le monde en. Non, personne s'est plaint. Ben, une personne m'a écrit en privé, j'ai répondu, puis ma réponse l'a satisfait. Mais. C'était moi entre Éric Salvaille et Gilbert Rozon. Puis là, je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était genre le jour même ou le lendemain. C'était là. La photo avec Denis Coderre. Dans ouais, le fond. C'est ça. T'as c'était ma face à Denis, Coderre. Mais toi. Tu sais, puis techniquement, il était bien réussi le montage. Ouais. Puis là, j'hésitais. Puis je l'ai publié. Ouais. Puis il n'y a pas eu de mauvais commentaire. Mais une heure après, je fais non. Non, mais t'as mis une photo de toi avec Éric Salvaille. Ouais, mais ça, c'est une vraie photo. Une vraie photo, ouais, c'est ça. Exactement. Je me dis bon. C'est correct. Puis bon, j'ai eu plus de 2000 likes, j'étais content. Mais t'avais écrit quelque chose comme genre. Ah ouais, je me sentais. C'était quoi? Pourtant, je me sentais en sécurité ou en affaire de même, ouais, ça t'avais écrit. Pourtant, genre... je me sentais en sécurité dans ses bras. Genre en affaire de même, c'est ça. Ouais, ouais. Non, c'est bien drôle. Ben ça, je me disais, ça au moins, c'est une vraie photo, mais un photomontage, est-ce que t'envoies le message, genre. Quel message j'envoie? Ouais, même dans Internet, c'est un peu ça aussi, le sarcasme. Puis ouais. C'est correct, je pense, sur Internet, ce genre d'affaire-là. Ben, probablement que ça passait, là. Mais, mais je me suis dit, bof. Si je me ramasse avec, supposons, deux personnes que ça brusque là, réellement. Tu veux pas, non? Ben c'est non, ça, ça me tente pas. Ça me tente pas. Je comprends. Tout ça pour dire que le saran wrap. Fait que le saran wrap, ça marche pas. Je suis pas capable de. Tu sais, j'ai essayé ça une fois, puis la personne s'en est rendu compte immédiatement. J'en faisais pas de prank. Je faisais pas de joke. Mais quand on était ado, c'est qu'on jouait. On jouait rough pas mal, là, quand quelqu'un s'endormait. Ouais. Je sais pas si on peut. C'est pas littéralement un prank, c'est pas un gag élaboré ou c'est vas-y, pas. Vas-y, mais tu sais, c'est juste. Mais dès que quelqu'un qu'on avait chez pour moi 15-16 ans, on faisait du moche les vendredis, on. Non, j'ai reçu un appel, excuse-moi. Non, c'est un camion qui recule. Ça OK, c'est un camion qui recule, faudrait que j'ai reçu un appel. On a des camions à l'émission. On a des camions. On faisait du moche les vendredis soir, on buvait, mais tu sais, on faisait le party, là. Ça, mais ça, à des fins récréatives, là, c'était pas. On avait du fun. Là, oh, oui, c'est correct. Faut que jeunesse se fasse. Oui. Puis, mais toujours qu'il y a quelqu'un mené qui s'endort, là, trop sous ou trop gelé à, je sais pas, 2h, 3h du matin, 4h. Ce genre de party. Puis cette personne-là, ben, tu sais, faut pas que ce soit toi. Là. Non. Parce que c'est... heureusement, je m'endormais en 2-3e, ou je sais pas si c'est parce que mes amis avaient pitié de moi, ou mais j'ai comme été presque toujours épargné. Qui t'avait pas de conneries de dessiner dans la face avec un charpie. Mais c'est ça, de... mais c'était essentiellement mon ami Martin que je salue. Je pense que c'est lui qui a. Martin Demers, nouvellement père d'ailleurs. Oh, félicitations! Ben Martin oui, bravo Demers. Martin, j'ai hâte de voir ton enfant. C'est quoi le nom de son enfant? Fait comme tu disais. Oh! Martin, ce gars-là, c'est pas vraiment ton ami. M'intéresse pas vraiment. Martin, on se voit plus, Martin, mais j'aimerais ça qu'on se revoie bientôt. Mais Martin a peut-être besoin de soutien en ce moment. Oui, peut-être un peu. Sinon, il s'endort, puis on dessinait des. C'est pas un pénis, ça joue, là. C'était vraiment genre lui couvrir le corps de pénis puis de croix gammée avec un. Ah, tabarnak! Avec un Sharpie qui part pas. Ça avait non! Aucune tabarnak d'allure. C'est beaucoup trop cruel. Mais t'es un adolescent. Fait que c'est quand t'as 15-16 ans. Okay, si vous me faites ça là, c'est comme. Non, là, j'ai pas le temps, là. Dans 30 ans, t'es comme pas vrai. C'est même pas. Tout le temps fatigué. J'ai peut-être qu'un rendez-vous quelque part, là. J'ai pas le temps pour ça, là. J'ai pas le temps de me laver. D'enlever des pénis dans le front, moi, je travaille dans 20 minutes. Je vais aller travailler des croix gammées et des pénis dans la face, là. C'est ça qui m'est arrivé. Mais je pense que c'était plus. Je dis croix gammées, mais je pense que c'était pas mal juste des pénis en réalité. Je m'en souviens plus exactement.
Un ou l'autre. Mais tu sais, maintenant, aussi, on, à notre âge, on ne dessine pas de quoi gamer. Là, on le sait que c'est wrong. Là. Ouais, ouais, mais à 15 ans. Tu trouves juste ça drôle. C'est juste drôle. Là, fait parce que c'est, ça, comme c'est comme un symbole que tu n'as pas le droit de. Qu'est-ce qu'il a mal vu de dessiner? Ouais. Fait que tu le fais. Il se dessine bien, tu sais. Ben, c'est simple à faire. Ça se dessine bien, ouais. C'est le fun de dessiner. Tu sais, ouais. Tu sais que tu le fais pas. Ben, les pénis aussi, ça se dessine bien, dans le fond. Tu sais, un vagin, ça se dessine pas. Ben, un vagin, c'est un genre d'ovale. C'est moins évident quand tu le regardes. Ah, tu caches pas, si tu remplis un gars de dessin de vagin, là, personne ne catch qu'est-ce qu'il se. Pourquoi il y a plein d'ovales? C'est quoi, c'est un dalmatien? Yeah. Non, c'est des vaches, bro. Mais, fait qu'on dessine des pénis ça, avec des sharpies, là. Tu sais, pas avec un crayon qui part facilement. OK. Et, ouais, le corps recouvert de pénis. Il travaillait le lendemain. Il allait prendre sa douche. Ça partait pas. Il était en tabarnak. Je pense une fois aussi, on avait remplacé sa bière par de la pisse. Puis, il a bu une gorgée. Quoi? Il a bu une gorgée de pisse. Ben, voyons donc. OK, non, attends, t'es comme. Ouais, ouais, des petites jokes d'ado. Là, attends, ça. Ouais, ça, c'est. Ouais, c'est... Ça, c'est une coche, là. Attends, là. Vous avez ah, il était vraiment. Je sais pas exact. 16 ans? 8 ans, on était sous. 8 ans. 15-16 ans, là. Tu sais, maintenant, j'ai 34 ans. Tu sais, fait que là, le temps, je sais plus. Aïe, ah, attends, là. Ça, c'est éveillé, là. C'est ouais, dégueulasse. C'est dégueulasse. Il l'a pas apprécié. Il l'a vraiment très mal pris. Martin, en fait. Ça? Oui. OK. Martin qui aime présentement les deux mains dans une couche d'enfant, probablement. Ben, probablement. Hey. Ben, de toute façon, on l'a entraîné. Écoute, Martin, si tu as l'adresse postale de Julien, je t'invite à y envoyer un cadeau de mais ton enfant. C'était pas moi, c'était pas moi qui ai pissé dans la bouteille, là-dedans. Fait que c'était pas. OK. Moi, j'étais plus. Le gars qui avait eu l'idée. Qui regardait. Non, mais qui regardait puis qui riait, mais tu sais, qui participait jamais. Je faisais jamais trop de coups pour qu'on m'en fasse non okay. plus. J'étais moumoune, là, tu sais. Mm-hmm. Je faisais pas. Je regardais passivement. OK. C'est comme quand il y avait du bullying à l'école, supposons que j'en faisais pas, parce que j'étais pas assez cruel pour en faire. Ouais. Mais j'étais juste suffisamment cruel pour, supposons, regarder ça passivement. T'sais, je regardais. Okay. J'en faisais pas, mais je regardais le monde faire du bullying. Ben, comme au secondaire, on a tous regardé un combat. Ouais, mais il n'y a pas eu souvent des combats, me semble. Mais des combats dans les films, il y en a tout le temps. Là. Ouais. Dans la vraie vie, t'en vas jamais. Ouais, peut-être une bagarre par année dans une école secondaire, à peu près, peut-être. Puis souvent, on la regardait, mais on n'intervenait pas. C'est bizarre. On devenait juste un spectateur. Ouais. Là, c'est vraiment aussi dans l'air du temps maintenant de dire qu'il faut intervenir, les témoins sont responsables. Je pense qu'aujourd'hui, ça se passe moins que dans notre temps, effectivement. Probablement. Mais ça, non, on n'intervenait pas. Moi, je regardais. Excuse-moi, parce qu'au même moment, il y a comme. Quelqu'un qui est arrivé. Mais il y a Émilie de. C'est Martin qui vient d'arriver. Alors, voilà. Non, c'est Émilie de Chez Juste Pour Rire qui me fait des coucous. Ah, salut, Émilie, Chez Juste Pour Rire. Parce qu'ils sont en train de fermer les bureaux en bas, puis. En fait, Émilie a juste ramené mon sac. Je pensais avoir tout ramené. Ah, le monde dans le podcast va adorer cette anecdote-là. Non, mais c'est à quel point j'ai un TDAH. Là. J'ai pris le temps de faire le tour du bureau pour. Tout amené avec moi ici dans le studio, mais bien entendu, j'ai oublié la moitié de mes choses. Alors, j'ai toute qu'une anecdote reliée à Jérémy. Je dois raconter c'est ça. C'est cool, quoi ça, vas-y. J'étais à Ronde, écoute, dans le bateau de pirates. OK. Mon téléphone brasse dans ma poche. Ah oui, c'est vrai! Là, je le sors, je regarde. C'était Jérémy qui était dans le fil d'attente à la Ronde, lui aussi, qui m'a pris en photo. C'est incroyable comme anecdote. C'est incroyable! Vu que t'es grand, tu sais, je peux pas te mentir. On te voit tout de suite. Mais ça, c'est mon fun de faire ça, par exemple, parce que je trouve ça quand même drôle de. Mettons, je te vois, t'es dans le métro, mais tu m'as pas vu. Oui. Je prends plein de photos de toi, un peu creeper, puis je te les envoie par texto, en fait. Il y en a qui font ça pour les mauvaises raisons, là. Mais t'as reçu des photos de toi, puis t'es comme, asti, il est où? Puis là, tu me cherches, puis je me cache. J'aime ça faire ça. J'ai fait à Maud Landry aussi. Ah bon, OK. J'ai fait à toi, j'ai fait à. On la croise, Maud, des fois. Ouais, mais c'est parce qu'on s'en rejoignait quelque part, puis là, j'avais dit, ah, je vais être à telle place, puis là, je prenais juste plein de photos d'elle, puis j'y envoyais, puis elle était comme plein, elle me cherchait, elle était comme, t'es où? Puis au même moment, il y avait un gars vraiment weird sur le coin de la rue qui parlait, fait que c'était comme awkward comme moment. Fait que là, tout était creep. Là, ouais, tout était parfait. Ah, ben oui, tout presque parfait. Presque parfait. Voilà. Mais, OK. Puis si, mettons, toi, t'es-tu quelqu'un à qui on a joué des tours dans la vie? T'es-tu quelqu'un qui en a reçu des. Ben, comme je disais, pas énormément, parce que vu que j'en faisais pas, on m'en faisait pas. OK. Ou un peu, où, comme je disais, où y avait-tu pitié de moi? Y avait-tu. Je sais pas. Ils en pas je sais pas pourquoi. Comme précisément. Comme un poignet niaisé, c'est-tu parce que ben, j'ai l'air vulnérable? Ouais, genre. Un peu gênant, Fait que là, je sais pas pourquoi, mais j'ai été assez épargné. Mais mes amis des Pic-Bois ont fait un bon prank, là, peut-être 2 ou 3 ans. Je l'ai raconté à sous-écoute, ça aussi, mais bon, ça vaut la peine parce que c'est un beau moment. Ça me pique souvent l'avenir, excuse-moi, mais quand l'année. Pas trop. C'était. C'est gênant. Je vais couper ça au montage audio, là. On entend ton nez faire. Les poils de nez, ça me pique les poils de nez. Ça te pique-tu, toi?
Ouais, ils ont commencé à sortir. Puis si tu nous enlèves, tu vas avoir l'impression d'avoir fendu en deux. Je pense que c'est ça, le... ça fait tellement mal. Oh, oui, c'est comme une douleur. Ouais, non, c'est horrible. Fait que c'est ça qu'ils m'ont fait, les pique-bois. Ils m'ont enlevé des poils du nez. Ils m'ont enlevé des poils du nez. Je suis, ouais, vous êtes des malades mentaux. C'était au légendaire. Ben oui, c'est des fidèles amis. Je vais voir Dom encore ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas les Pique-Bois, c'est Dominique Mascotte puis Maxime Gervais. Oui. C'est un duo d'humoristes vraiment très drôle. Bon, ouais. Les Pique-Bois, moi, j'ai. Encore eux autres, ici, sont dans un univers un peu parallèle, tout le temps décalé. Je les adore. Oui, oui, absolument. Ben, ils sont beaucoup dans les personnages. Oui. Essentiellement, ils font juste des personnages. Puis c'est toujours des petits personnages weird, bisexuels, étranges. On est dans plein de zones en même temps. Toujours des zones de malaise, humour trash, mais tu sais, j'adore ça. C'est devenu. C'est non seulement des collaborateurs fréquents dans à peu près tout ce que je fais, mais c'est aussi des amis personnels. Puis, oui. Comme d'ailleurs, cet été à Zoufest, ils ont fait le show qui était la Ligue d'impro. C'est ça, la Ligue d'impro. Es-tu venu le voir, toi? Je suis venu le voir. Ah, c'était un faux match d'impro qui était un faux. Une espèce de pièce de théâtre. Essentiellement, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. Disons ça comme ça. C'est un peu une pièce de théâtre. Ou est-ce que c'est comme un faux match d'impro? Ou est-ce que tout est stagé? Et à tous les spectacles des Pique-Bois, t'es tout le temps tout nu. Ça, faut le dire aux gens. C'est un running gag depuis quoi? 5 ans, je pense? À peu près, ouais. À chaque show des Pique-Bois. Il y a une à deux ou deux que je ne l'ai pas fait. Là, on va voir le pénis à Bernatchez. Ouais, ça revient. Et là, moi, ça me fait tellement rire parce que comme un génie de mise en scène dans le show des Pique-Bois qu'ils ont fait cet été parce que. Tu rentres puis tu te présentes comme joueur d'impro et on voit que tu portes un short beaucoup trop grand pour toi. En rentrant, tu le tiens et on sent que on voit tes fesses au début quand tu rentres parce qu'il tombe un peu. En tout cas, le soir que moi j'étais là, on a vu tes fesses. On sait qu'à un moment donné, tu vas lever les deux mains et le short va tomber et on va voir ton pénis. On le sait que ça va arriver. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a cette tension-là. On ne sait pas quand, on ne sait pas de quelle manière. Il y a plein de moments où tu pourrais et tu ne le fais pas. Oui. C'est écœur. Moi, ça m'a tellement fait rire. J'étais. Il y avait comme un. J'étais pénis stressé. Tout le long. Je comprends. Ça me faisait rire. J'étais assis avec des amis, puis tout le long, j'étais comme. Et on va voir le pénis de Bernatchez maintenant? Et non! Et là, on prenait des gageurs jusqu'à quand? On a tellement ri. Juste ça dans le show, moi, ça m'a gagné. C'était tellement niaiseux. Mais toi, tu sais, les Pique-Bois font chacun trois personnages. Ouais. Puis il y a moi, Linda Bouchard, qui en joue un, qui joue essentiellement nous-mêmes. Ben, moi, je joue Julie Bernatchez, là, un peu, évidemment, un peu décalé. Mais puis, tu sais, au final, c'est comme juste une grosse tragédie weird un peu. Tous les personnages sont brisés un peu. Ouais, ils vont tous pas bien dans différentes... Ou sont idiots, ou sont handicapés physiques. Ils ont tous quelque chose de... Tu sais, c'est la ligue des gens qui n'ont pas été acceptés dans la vraie ligue d'impro, tu sais. Fait que c'est ça, là, c'est les rejetés là, de la société. Puis, il y a quand même un peu de drame dans le truc. Il y a mon speech sur l'alcoolisme, tu sais, où il y a... Léopold qui parle de quand il a perdu sa fille, elle parle de la maladie. Ouais. Fait que tu sais, en plus, c'est une espèce de légère montagne russe. Il y a le père puis le fils aussi, avec leur relation. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il y a de tout. Il y a vraiment. Il y a des gens qui m'ont écrit parce qu'ils ont pleuré en écoutant le show. C'est hyper touchant tout en étant super drôle. C'est vraiment un spectacle. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'était vraiment une bibitte, mais c'est. Mon Dieu que j'ai aimé ça. Ah, je suis sorti de là en faisant « Hey, on a vécu de quoi? » Alors, le 31 janvier, on va le faire à Québec. Pour de vrai? Ben oui. Où ça? Non, plug-le, c'est important. Je ne me souviens pas du nom de la salle. Oh, ben, c'est le 31 janvier. OK, allez voir sur la page probablement des Pique-Bois. Ouais, ben on va l'annoncer quelques fois d'ici là. Par contre, ça va être deux jours avant ma fête. Est-ce que ça va être dans ta ville natale en plus? Non, ce sera pas à Charny. Je pense qu'il n'y aura pas assez de monde pour aller voir. Je ne vais pas montrer mon pénis à Charny. La police va encore t'arrêter. Ben non, c'est ça. Oui, là, il y aurait une raison. Non, fait, à Québec, je me rappelle pas le nom de la salle. Je vais pas dire le mauvais nom. Allez voir ça. Fait qu'ils ont fait une bonne blague, les Pique-Bois. On était au légendaire Festival de l'Internet pour sa deuxième édition, si je me trompe pas. Qui se déroule à Alma, mais là, ça n'existe plus. Ça a duré deux ans, mais c'est Joël Martel, le gars le plus drôle de l'Internet, qui tenait ça pas mal à bout de bras tout seul. Ouais. Ben, beaucoup de gens de la ville l'ont aidé, mais essentiellement, c'est lui qui s'occupait de ça. Puis. C'est quand même drôle qu'il y ait eu un festival de l'Internet. Parce que le festival en tant que tel est une grosse farce. Mais il y a des gens qui existent sur Internet. Puis juste sur Internet, de cette façon-là, il y a des personnages. Ouais. C'est des personnes sur Facebook qui sont des personnages. C'est fou, là. Mais tu sais, essentiellement, c'est juste une manière de que mon micro fonctionne, essentiellement, c'est une manière pour Joël que ses amis aillent le voir. Là, parce que c'est à Alma, c'est à 5 heures de route, fait qu'on y va pas.
Fait que là, on va tous le voir. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de gens de l'Internet, des gens qui rejoignent beaucoup, beaucoup plus de monde que moi, qui sont pas là. C'est une grosse farce, là. Puis là, ben, on va là. Puis, ben, sur les deux fois, j'avais fait un petit spectacle, et puis Bo aussi. Puis, on était dans la même chambre d'hôtel, tous les trois. Puis, là, je prends ma douche. Ouais. Puis là, finalement, j'entends la porte s'ouvrir. Puis, c'est les Picbo qui arrivent tout nus, puis sont venus me rejoindre dans la douche. Ah, ces gars-là sont niaiseux. Ils sont venus prendre leur douche avec toi. Ben, ils sont pas vraiment restés. En fait, mais tu sais, c'est. Il y a comme étais-tu un personnage? Étais-tu comme en après-ski jazz? Comme, ben ouais, je vois le rideau qui rouvre, puis c'est Maxime puis Dominique tout nu. Maxime à l'avant-plan, Dominique un peu derrière. Et Maxime fait comme, dis donc, toi, t'as une belle queue. Puis là, ben, après ça, finalement, ils ont refermé le rideau, puis ils sont sortis de la pièce. Mais... Ah, ils ont pas pris la douche non, avec moi. Non, ils ont pas pris la douche avec moi. Ils ont pas poussé la limite. Ben, on est peut-être pas encore rendu là. On n'a pas fait le numéro complet, on a juste fait un bit. Non, ça, il n'a pas fait un bit, c'est quoi de le dire. C'est ça, non, un petit moment, mais c'était. Tu sais, c'est comme si. Tu sais, c'est surréel parce que, bon, j'ai pas eu d'intimité avec des hommes, hein. Bon, alors. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pas vraiment vécu ça, tu sais. Fait que là, c'est pendant 2 minutes, pendant 10 secondes, j'étais vraiment dans un porn gay. C'était une prémisse, moi, non, mais ça. C'est que les gars, ils ont dû faire. Queue, dis donc. Les gars ont dû faire. Hey! On va-tu rejoindre Julien dans la douche tout nu? Ben oui. Ah, OK. Puis là, ils sont déshabillés en riant, les gars, là, c'est sûr. Là. Ah, bah oui, oui. Puis là, après ça, ben, Maxime nous a bien nus. Après ça, je pense le lendemain, je crois, quelque chose comme ça. Là, moi et Dominique, on voulait le faire à Maxime. OK, ben oui, ben oui. Maxime voulait vraiment pas. C'est le retour du balancier. Ça ne tentait pas. Je n'étais pas sûr non plus. Là, finalement, on se met tout nu, moi, puis Dom. Là, Dom essaie d'ouvrir la porte de la salle de bain, puis il est comme « Ah, il l'a barré. » Oui, mais il est pas cave. Fait que Dom, on était tout nus pour rien, un devant l'autre dans la chambre d'hôtel. Fait que vous avez dansé un slow? Ben, on s'est rhabillés finalement, mais c'est ça, mais... c'est, à sa manière, c'était comme un prank encore contre moi. C'était parfait, ben oui. Finalement, tout ça, c'était... C'est drôle quand même, ça. Ah, on rit beaucoup, on rit beaucoup. Mais au moins, ouais, c'est ça. Mais c'est, tout ça a été fait dans le consentement puis dans l'amitié, là, c'est ben ça? Oui, ben oui, absolument, c'est ça, absolument. C'est ça. Ben oui. Oui, non, on s'amuse. Ça, ben tu sais, c'est le niveau d'adolescent, ça me fait du bien, tu sais. Est-ce que tu ressens que tu as 34 ans, toi, tu sais? Parfois, dans certains moments, là, c'est sûr. Là, physiquement, je le ressens. Tu parlais un matin que tu allais payer tes impôts, je veux dire, tu sais. Oui, là, je paye mes taxes un matin. Ouais, c'est non, ça, c'est ça, ouais. Dernièrement, j'ai magasiné une auto chez le concessionnaire. Ben, c'est vrai que cette année, je me sens plus fatigué physiquement qu'avant. Ouais? Là, que ça commence à... Mais je pense quand que... Quand t'es fatigué qu'avant, t'as l'impression que t'as de l'énergie à volonté, là, quand ça commence. Je suis encore émerveillé. Ah, non, mais dans ma tête, tu sais, on va encore rire. C'est sûr que aussi les mœurs évoluent, puis on va pas rire nécessairement des mêmes choses qu'à 15-16 ans, mais... Ouais. Mais tu sais, pour vrai, je vois des amis du secondaire, puis l'humour, on fait les mêmes crises de farce qu'il y a 20 ans. Ben oui, ça change pas. On change pas. Je ressens ça avec les Picbois aussi, tu sais, on a un humour toujours très, très adolescent qui... C'est puéril, mais c'est si rafraîchissant en même temps, parce que c'est tellement juste con. Oh, ouais. C'est juste con. Ouais. Tu sais, South Park est rendu à la saison 21, puis ça va être encore... Puis c'est toujours aussi bon, ça n'a pas changé. Des crottes qui font pipi, là, tu sais, ça va être encore ça. Oui, mais il y a tellement tout le temps un sous-texte à travers ouais, ça. Ils font beaucoup, quelque chose, même parfois trop, même, là, tu sais. Ouais. Ils sont vraiment intenses sur... Je suis à jour, j'écoute tout. Oui. Puis ils sont vraiment sur les sujets d'actualité beaucoup, tout beaucoup, le temps, beaucoup, mais ils écrivent aux semaines quasiment, là, tu sais. Ouais, il y a des épisodes... qu'ils veulent faire dans la saison, qui sont peut-être déjà faites, puis des fois, quand il se passe de quoi, tout de suite, ils surveillent d'abord sur une scène, puis ils sortent une émission selon ce qui vient de se passer. Des fois, on dirait qu'ils ont même presque pas le choix. Tu sais, tu dis, c'est ça. Se passe, tel événement qui a capturé toute l'actualité, ben, il faut qu'ils en parlent. Une fois de temps en temps, il y a des épisodes qui n'ont pas vraiment rapport non plus. Ouais, mais... il va y avoir Cartman qui dessine en robot, qui déguise en robot pour faire chier Butters. Là, ça peut encore arriver. Là. As-tu joué au jeu The Fractured Butthole? The Fractured Butthole? Pas encore, mais j'ai fait le premier, j'ai fait Stick of Truth. Ah, c'était si bon, Stick of Truth. Ah, c'était merveilleux. Ça, c'était... C'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué. Je jouais jusqu'à 5h du matin, même je travaillais le lendemain. Là. Ah ouais, c'était incroyable. J'étais incapable d'arrêter de jouer. Là. C'était vraiment drôle. C'était le fun. Là. C'est un épisode interactif. Mais en plus, le gameplay est le fun, finalement. Tout est nice. Tout est bon. Ce jeu-là, Semble-t-il que celui-là est supérieur, je ne sais pas encore. Semble-t-il, pour vrai? Ben, je sais pas s'il est plus drôle, mais en tout cas, le combat est plus développé. OK. Le gameplay est plus développé. Fait que ça reste aussi un jeu. Oui, c'est fait ça. Fait que non, ça a l'air que c'est super bon, les critiques sont très bonnes, mais je n'ai pas encore joué. Ah ben! Hey, merci Julien d'être venu, merci beaucoup. Ben merci à toi. Écoute, mon Dieu, tellement, toi. Là, j'ai le goût de te toucher toute la nuit, toi. Ça dérange-tu? Non, ça va. Si on veut te suivre, je fais des shows de temps en temps, mais sinon, c'est surtout chez Bernard chez Joe. Chez Bernard chez Joe, parlons-en. Bernard chez Joe, c'est une bande dessinée.
Ouais. Que je sors tous les lundis. Je fais pas les dessins. C'est pas moi, c'est d'autres gens. Mais j'écris même pas toujours les textes non plus. Okay. Parce qu'on est comme 4-5 là-dessus. Ouais. Fait que j'écris les jokes de temps en temps. Sinon, bien évidemment, j'approuve tout le contenu. Je sais pas. Bernard Chez Joe, tous les lundis, c'est comme un espèce de pastiche de Bazooka Joe. Mais déprimé. Mais avec, comme moi, en personnage. Puis qui est comme, tu sais, qui est un alcoolique sale, dégoûtant. Même affaire que bande pensante, puis tout le reste. Là. Même genre, on même est dans le personnage. Ouais. Je suis très, très fier de ce projet-là, honnêtement. Là. Fait que, allez voir ça. C'est vraiment beau esthétiquement. Les dessins sont cool. C'est beau, les dessins, c'est hot. Là. Les jobs de feu d'illustrateur, là, c'est vraiment cool. On les a choisis, puis tu sais, on les aime beaucoup. Le samedi. Samedi matin. Je sais pas quel jour qu'on est. On est quel jour aujourd'hui? Là, aujourd'hui, on est jeudi. Ok, on est jeudi. Ouais. C'est pas d'horaire régulier de travail. En tout cas. Fait que le samedi, donc, samedi Décidérait, c'est ça que je voulais dire. Samedi, Décidérait à Choc. À Choc. Ouais. Juste à googler Décidérait, vous allez tomber dessus immédiatement. Là. Puis c'est là, ça fait 6 ans qu'on fait ça quand même. Ouais. Avec les Picbois, encore une fois, Étienne Forêt, Mathieu Niquette, Murphy Cooper, très connu. C'est vrai. Puis on fait toutes sortes de. Des fois, on reçoit des gens, comme Jérémy, mais sinon, des fois, on fait juste des personnages tout le long. Comme Rock Voisine. Comme Rock Voisine. Des fois, on fait des shows live devant le public. Ça prend plusieurs formes, mais essentiellement, c'est une heure de conneries. Puis c'est très, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça aussi. C'est souvent mon plus beau moment de la semaine. C'est ça que je fais, là. Sinon, on peut être ton ami Facebook, littéralement. Ouais. Ben, on peut pas parce que j'ai le maximum d'amis, mais on peut être abonné à moi. Ah oui, c'est vrai. On peut être abonné à moi sur Facebook. Je change de photo de profil à tous les 2 jours. Ça, c'est divertissant. Puis, je fais des statuts humoristiques. Alors, essentiellement, on me connaît surtout pour le web, dans le fond. Là. Fait que, allez voir ça, Julien Bernatchez, sur Facebook. Sur les internets. Sur les internets. Yes. Hey, merci beaucoup, si Julien. Si vous avez Internet. Si vous avez Internet. Si vous n'avez pas Internet, vous allez me voir dans la vraie vie, peut-être. Ouais, si vous connaissez son adresse. Si vous connaissez mon adresse, je vais peut-être pas la dire. Parce que je parlais, j'ai des fans. Oui, c'est ça exact. Des fans particuliers qui veulent aller pêcher avec toi. Fait que, non, je donnerai pas son adresse. Non, c'est ça. Mais en tout cas, venez me voir. mais toi, tu peux venir. OK. Mais donne-moi pas ton adresse tout de suite parce qu'on enregistre. Ouais, je vais venir après, Hey, merci Julien. À plaisir, merci à toi, Jérémy. Merci de l'invitation. À bientôt. À bientôt. Salut. On part où qu'on sort? Hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Le podcast Mouhahaha est disponible sur mouhahaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt.